Oups. Oups. Blue Domain. Fuck Blue Domain. Fuck this fucking game. Blue Domain sucks. Blue Domain is fucking bullshit, man. This game sucks. It fucking sucks. Et oui, vraiment, vraiment. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pendant que je set up tout ça, veuillez patienter. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Tu t'es pris pour la VGN. Ah bah, ça a été... Ça marche pas, attendez. Pourquoi ça marche pas? Why do you not work? Please! Please work! Fucking bullshit, man! Fucking bullshit! Bon, attendez. Oh no, oh no, non, 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 oh. C'était pas affiché là, j'espère. Pendant un instant, c'était. Ok, non, c'est bon, c'était pas affiché. C'est pas que j'ai des trucs compromettants, mais si je peux éviter d'avoir des informations qui peuvent potentiellement être utilisées contre moi. Pourquoi tu vois pas là? Pourquoi tu vois pas la fenêtre là, hein? Et là, tu la vois la fenêtre? Et là, la fenêtre. Non, ça marche pas. Hold up. Si si. De quoi si si? Si si la Mifa? Comment je peux faire? Capture, capture, capture. Alors, capture de jeu, ça marche pas. Capture de fenêtre, j'ai essayé, ça marche pas non plus. Ah! Bah là, là ça marche d'un coup, ok. Fail to revive D3D device, fuck you! Ok, ça c'est un truc qui risque d'être bien chiant. C'est que... bah déjà il capture pas les introductions là. Donc j'espère qu'il va quand même capturer s'il y a des cinémas. Ah! Ok, ça mettait juste du temps, bon. Par contre, si j'alte tab, il y a des risques que le jeu il crache. Donc, je vais espérer qu'il n'y a rien d'important en termes de d'interface en bas à gauche de l'écran. Ou sinon, de toute façon, je me débarrasserai de la webcam parce que, je sais pas, ça sert à rien. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans Soul River 3, ou comme le comme la licence est appelée, Legacy of Kain Defiance. Joystick ne marche pas. Pas encore en tout cas. Peut-être que c'est juste un truc à configurer. Gamepad plus keyboard. Oh, ok, ça sent le jeu. Ça sent vraiment le jeu, mais genre... boîteux du cul. Bref.
given the choice whether to rule a corrupt and failing empire or to challenge the fates for another throw, a better throw against one's destiny. What was a king to do? Cette musique. Oh, oui, oui, oh, oui, oh. Elle est où la VF là? Bah avec le reste du budget mec hein. Il a une VF normalement le jeu. Ah bon? Bah je vais aller voir dans les paramètres tout à l'heure mais j'étais pas sûr. Parce que bah de toute façon, si tu te souviens, la VF de Soul Reaver 2, elle était à chier. One can only match, move by move, the machinations of fate, and thus defy the tyrannous stars. Non, mais je dis qu'elle était à chier parce que au niveau mixage de son, ils ont fait complètement de la merde et il n'y avait pas de sous-titres, donc c'était incompréhensible la plupart des dialogues. Donc moi, ça me dérange pas d'avoir une VF un peu cheesy. Mais si t'entends même pas ce qu'ils disent, c'est pas la peine. Que sur PS2, MDR. Vous l'avez entendu ici, les amis. Défiance à une VF, mais uniquement sur PS2. And so I returned to the sanctuary of my enemy, the fortress of the Sarafan Brotherhood, deemed impossible for any man to penetrate. Penetrate. Oh yes, Kane, you can penetrate me anytime. Impossible for any man. Deep within these walls, my prey awaited. Mobius, the time streamer, deceiver and eternal gamester, using living beings as his pawns. In the end, we'd rooted out an entire nest of the fiends. But we had swept that area already. Not well enough, but no matter. We purged every last one of that brood with fire, and their souls now rest. Lord Mobius will be pleased. It was time for Mobius to answer a few questions. I hoped for his sake to find him in a forthcoming mood. Bon, ça risque d'être un peu bancal parce que bah déjà sauter c'est sur carré. Si vous considérez que c'est un pad voilà. Sauter sur carré, attaquer sur X. Bon, ça c'est la télékinésie. Ça consomme un peu de pouvoir que vous voyez dans la barre de gauche, mais ça se remplit assez vite. Et triangle pour des attaques attaques brutales, j'imagine. Ah non, attends. X, c'est juste pour soulever les ennemis. Ok, ça je vais le reconfigurer, hein, écoute. Ah, et start. Start, ça vous passe en vue première personne. Logique. Et il faut que je reconfigure aussi le joystick parce que bas... Droite, bas ça va à droite, droite ça va en bas, haut ça va à gauche et gauche ça va en haut. Select pour bloquer ou aspirer le sang, j'imagine. Alors R, maintenant faut que je reconfigure ça, c'est pas possible. Comment je fais pause? Les gâchettes ne fonctionnent pas. Alors pause c'est sur le bouton du joystick. Fais gaffe à ta vie par contre. Les joysticks ne fonctionnent pas dans les menus. Ça, je vais pas trop y toucher. Hein. Ça, je vais pas y toucher. VSync enabled, FX option, shadows enabled. Bah, tout est enabled. Enabled. R, Y, R, X, R, X, R, Y. Est-ce que ça va être bon? Ok, haut, bas, gauche, droite.
haut, bas, gauche, droite, nickel. Alors, avance. Configure, select function, press backspace. Ça, je vais pas toucher. Lift attack. Alors, lift attack, je vais mettre ça sur triangle. Télékinésie, on va mettre ça sur rond. Jump sur X. Enfin, sur A. Action ou vérité, c'est pas bindé. Autoface, je pense sur R1, c'est pas mal. Soul suck. Souk. C'est le bordel. Ouais, grave. Look around, motherfucker, everyone's digging me. Take aim. Oh, mais c'est quoi, bouton 4, je sais même plus c'est quoi tous ces trucs. Donc bouton 3, 0, 1. C'est tellement mal foutu, putain. Sneak. Sneak attack. Pause. Bouton 9. On va mettre ça sur start. Sneak. Tick aim. Look around, motherfucker. On va mettre ça sur select. Soul suck. Je vais plutôt le mettre sur... Soul suck. Vaudrait mieux que je le mette sur rond. Enfin, sur O. Enfin, sur B. Autoface, ça je vais pas toucher. Et du coup, faut que je rebind la télékinésie. Est-ce que je peux pas y mettre ça sur une gâchette? Non, les gâchettes ne fonctionnent pas. Bon, on va mettre ça sur le bouton du joystick. On va voir si c'est pas trop bancal. Sneak. Je vais mettre ça sur l'autre bouton de joystick. Pause, c'est bon. Ticket aim. Status menu, bouton 10. Je sais pas ce que... Next river, previous river, spectral shift, on verra ça. S'il faut que je rebind de rem, j'ai pas envie de passer tout le stream à faire ça. Bon, sauter. Pourquoi attack n'a pas été bindé? J'ai pas vu attack. Telekinesis, jump, look around, aim, action. Ah, c'est peut-être action. X. Ok, lift attack, soul suck, autoface, ticket aim. Ça a pas pris en compte le... Ah non, quand tu vises, t'as pas besoin... Ah, quand tu vises, t'as pas besoin de... Ok, j'ai pas besoin de bouton pour sneak parce que simplement en penchant légèrement le joystick, j'ai voilà, je sneak en comme ça. Donc je vais mettre le contrôle, configure, télékinésis, bouton 9. Merde, bouton 8. Ah oui, c'était sneak. Et bouton 9, ah bah oui, je l'avais mis sur l'autre. Ok, bah, je crois qu'on est pas mal pour commencer. Je verrai plus tard s'il y a besoin de... Voilà. Donc à l'instar de Raziel, Kane peut flotter. Mais c'est pas la même façon de flotter. Hop. Donc on va commencer à avancer. Vous pouvez voir que notre vie baisse progressivement. C'est dû au fait qu'il fait jour. C'est dû qu'il fait jour et qu'il neige en plus, et que bah, malgré que Kane soit un vampire très ancien.
Donc Legacy of Kain Défiance est probablement le jeu le mieux développé au niveau du combat. Blood Hunger. Ils ont pas tout traduit apparemment. Donc c'est la faim sanguinaire en fait qui cause notre jauge de vie à baisser comme ça. C'est le bordel. Ah non, c'est bon. Ça va, j'ai pas perdu le stream. Je vais voir. Ah oui, d'accord. Faut que je bouge quand même ma caméra. J'espère juste que le jeu va pas planter si je fais ça. Please, jeu. Oh, le jeu a planté. Putain, va falloir que je fasse gaffe à pas Alt-Tab trop souvent. Et va falloir, je pense, que je reconfigure les boutons. Yay! J'ai fait continue, mais je crois que c'était pas une bonne idée parce que j'ai pas sauvegardé. Et... Ah non, c'est bon. Ok, nickel. On retourne. Et du coup, mes commandes ont été mémorisées, donc c'est bien. Donc oui, je disais, c'est le jeu qui est probablement le mieux foutu niveau combat de la série. C'est beaucoup moins bancal. C'est beaucoup plus fluide. On a vraiment l'impression Oh yes. On a vraiment l'impression on sent vraiment la puissance de Kain et de Raziel quand vous combattez avec. C'est beaucoup plus satisfaisant à jouer. Mais bon, ça reste quand même un jeu un peu bancal avec certaines mécaniques, ça on verra plus tard. Mais globalement, j'y ai pas joué très très longtemps, je voulais juste essayer le jeu. Et de ce que j'ai pu voir, c'est quand même un jeu vachement plus intéressant que Soul River 2. Soul River 2 que j'avais jugé décevant, non seulement parce que... Ben déjà, c'est un jeu ultra linéaire où il n'y a rien de secret à trouver. Mais de surcroît, c'était un jeu qui était super court et qui n'avait rien apporté à la série, voire pire même, avait enlevé des trucs. On a vraiment l'impression d'être un vampire qui suce. Ah ouais, ça franchement c'est trop bien ça. Ça c'est le meilleur aspect du... C'est le meilleur aspect du jeu, le fait de pouvoir sucer les ennemis. Oups. Je pense qu'il y a des secrets dans ce jeu, mais j'en suis pas sûr. Avoue que tu l'as trouvé décevant car tu as mis 10 ans afin de enfin pouvoir y jouer. Bah, ça fait partie de pourquoi il était décevant aussi, mais le truc c'est que j'y avais déjà joué. Je sais plus s'il y a des secrets dans ce jeu, mais là je deviens un peu obsédé, je vais peut-être juste continuer. Je me souviens y avoir joué quand j'étais gamin plus jeune. Je vais pas dire gamin parce que je crois qu'à ce moment-là je commence à être ado slash pré-ado. Mais j'y avais joué sur PS2 à l'époque et effectivement je l'avais trouvé déjà décevant à ce moment-là parce que, bah, raison un peu gamine, c'est que j'aimais pas du tout la nouvelle mécanique de la Soul River. Mais avec même le recul, tape les murs. Non, y a pas de mur à taper dans ce jeu. Enfin, je crois. Donc, comme Raziel, on peut s'accrocher au mur. Par contre, est-ce que je peux un peu ouais, on peut un peu comment dire cheese les murs, mais c'est pas ouf. Et Kain, c'est pas par là que je suis passé, mais c'est pas grave. Kain peut passer également à travers les grillages, les barrières. Help me. Oh please no. From time to time, it is necessary to feed. And the unusual event of a feast prepared by the Seraphan must be savored. C'est pas contre toi, hein, mais c'est pour achever tes souffrances. Il va manquer Benoît Almain en Kain. Bah écoute, j'ai envie de dire que c'est ton problème. Parce que bah j'aime quand même beaucoup. Yes! Une tradition française qu'on devrait ramener la guillotine pour les élites.
J'aime beaucoup la VO de Kane, malgré tout. Je la trouve aussi bonne, voire même mieux. Attends, tu parlais de taper les murs, mais maintenant je commence à avoir un doute en fait. Faut pas que j'oublie que je peux passer à travers les barrières aussi. Donc ouais, niveau gameplay, le jeu est beaucoup, beaucoup plus fluide que ses prédécesseurs. Et ça en fait une expérience de jeu de combat. Enfin, l'emphase a vraiment été mise sur l'aspect combat. Et c'est pas plus mal parce que ça, c'est un truc qui était beaucoup plus bancal avec les jeux précédents. Le combat. Tu passes à travers les barrières sans être dans la sphère spectrale et ça, c'est cool. Ouais, par contre, Raziel, je crois qu'il a toujours ce problème. Donc, il y a bel et bien des secrets. Et maintenant, je commence à me dire que j'en ai peut-être manqué un. Talisman de vie. Donc, ah oui, il y a un bouton que j'ai pas bindé. Attendez. D'ailleurs, un bouton qui va peut-être pas nous servir. Ou moins. Télékinésie. Hop. Alors, look around, motherfucker. Je vais le mettre là. Et status. Status menu, je vais le mettre sur select du coup. Oups. Donc ouais, je peux look around avec le joystick et status. Donc ça nous amène sur cette page qui rappelle Blue Domain. Et ici on peut voir, voilà, j'ai un fragment de talisman. Il y en a 3 x 4, 12. 12 pièces de talisman à trouver a priori. Donc j'en ai déjà trouvé une. Je sais pas si c'est la première, parce que si ça se trouve, j'ai... Je sais pas c'est quoi. Le keybind des menus est très étrange. Enfin bref. Ça sent les augmentations de vie, ça. Ouais. Effectivement. Bon, je vais peut-être pas passer tout le jeu à souk les pauvres manants, parce que c'est pas vraiment nécessaire. Ah! Ah ouais, mais de toute façon, c'était la suite du jeu, de toute façon, donc... Hell yeah. Ouais, mais je pense pas que c'était... Water is like acid to a vampire. I had to find another way to pass. Pas si vite, Kane. Ouais, bon, de toute façon, c'était fermé. C'est possible que j'ai loupé déjà un premier secret dans la première zone, parce que la plateforme que j'essayais d'atteindre, bon, je sais pas si c'est un secret vraiment, mais j'ai quand même la suspicion que c'était une possibilité. Je pense qu'il y a moyen d'aller plus vite. Non, il n'y a pas vraiment moyen. Par contre, il y a moyen de faire un wall jump. Et moi je veux juste vous dire, admirer la fluidité. Je dis ça et là on a Kane qui tremblait comme une feuille. Vraiment la fluidité du gameplay, du jeu, des mouvements. Enfin franchement c'est grave quoi. Ici un autre secret, les runes TK, ce qui va augmenter notre pouvoir télékinésique. Télékinésie, d'ailleurs, je sais pas si on va réussir à bien s'en servir. Là, je pense qu'on peut casser la fenêtre. Oh, ah non, c'est... Ouais, bon. Je voulais pas vraiment aller là tout de suite. Attends une seconde. Veuillez patienter. Ouais, non, ça c'est fermé de toute façon. Kane qui passe à 15 FPS. C'est un de ses pouvoirs. But the door had been sealed by a blessed barrier. As I approached, the Reaver resonated in response. Perhaps its dark sorcery could dispel these holy barriers. Le pouvoir ultime de Kane, passer ton framerate à 15 FPS. Est-ce possible d'atteindre un tel pouvoir? Est-ce possible d'apprendre un tel pouvoir? Pas des Séraphéens, en tout cas.
Alors je sais plus sur quoi j'ai bindé la télékinésie. Oups. Pourquoi j'ai bindé la télékinésie? Ah voilà. On peut aussi faire des combos en l'air et ça c'est grave cool. Donc j'ai bazardé les archers de la muraille, c'est sympathique. Et le dernier je l'ai chopé pour sucer son sang. Donc ouais, niveau gameplay, il y a beaucoup plus d'options qui sont à votre disposition pour faire des trucs grave cool. Et je veux dire, Arcane Tome. Ok. Hold Soul Suck. Oui, mais ça, on le sait déjà. Mais de qui? Mais t'as chopé ça où? Le gars il suck du sang du néant quoi. Il arrive à choper du sang du néant quoi. Ici une porte ouverte je suppose. Là une porte fermée. Et au milieu, n'y aurait-il pas quelques ennemis que nous pourrions sucer? Anyway, on va juste continuer. On est encore un peu dans le niveau tutoriel du jeu. Je crois qu'on n'aura pas grand chose à craindre de la part du jeu. À part peut-être l'eau. Pas de secret par ici. Mais c'est-à-dire que... Télékinésie ? Non. Oups. C'est vrai que je peux regarder autour de moi, c'est un peu plus pratique que mes autres options. Bon, bah apparemment c'était pas par là. Il était vraiment temps que je fasse ce jeu. Appuyez sur action pour ouvrir une porte. Ouais, mais avant ça, laisse-moi juste vérifier qu'il n'y a rien qui traîne. Ah bah. Porte fermée, mais on s'en fout parce qu'on peut faire le tour. Je vois pas trop l'intérêt d'ailleurs. Oh. Alors, checkpoint. Locked. What a love of doors these pathetic humans have. N'est-ce pas? Le sigle au sol, je sais pas trop ce que... Attendez. Hop. Ça risque d'être un peu épileptique parce que caméra fixe, enfin caméra semi-fixe, sachant que je vais passer beaucoup de temps à examiner mes alentours pour être sûr de tout trouver. Tome d'Arcane, je sais pas trop ce que ça fait encore, je me souviens plus trop. Ici, il y a des trucs et des machines, on verra plus tard. Pour l'instant.
Vampire! The Masquerade! Oups. Ah putain, bon. J'aurais voulu potentiellement. Donc vous pouvez faire des petits trucs comme ça, bien sympathiques. Ce qu'on peut faire aussi, si vous n'avez pas besoin de sang, bon le jeu va nous l'expliquer éventuellement, mais... Ce que vous pouvez faire, c'est exécuter les ennemis avec la river et ça va remplir la petite jauge. Ah, pas encore apparemment. Ça sera peut-être après. Le dash en fumée est cool aussi, grave. Ah mais ce jeu c'est vraiment la culmination de la fantasy du vampire, jouer un vampire surpuissant. Unmistakably a vampire origin and designed to enhance the Reaver's power. But this coincidence seemed too convenient. Mobius clearly meant for me to find it. Sound the alarm! Vampire! Don't let him escape! Surround him! Vous n'avez aucune chance. Surrender, fiend, and we will promise you an easy death. I could promise you the same, but it would be a lie. Kane, je t'aime tellement, Kane. Ah, vous pouvez voir la jauge de la Soul River qui se remplit. Et une fois qu'elle est remplie, on peut activer Hold and Release un sort qui fait des dégâts de zone autour de vous. Bon, j'aurais pu prendre du sang pour le dernier parce que malheureusement la jauge de la river elle finit par se vider lentement. Donc comme votre vie. Donc quitte à choisir entre de la vie et C'est ici que tu récupères la river dans le 2 justement. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment ici. Tu verras plus tard. Mais oui, on est bien dans la... On est de toute façon dans la forteresse des Séraphéens. C'est juste qu'on est dans une zone différente où on était dans le Soul River 2. Mais on va trouver une zone qui ressemble à la zone que tu parles. Parce que souviens-toi, dans Soul River 2, l'endroit où Raziel fusionne la river spectrale avec la river matérielle, il y a une tombe, c'est la tombe de je sais plus son nom là, le roi que Kane tue dans Blue Domain. Ça ressemble. Ouais mais c'est pas ici. Il me semble qu'on va y arriver. Et si vous observez attentivement le level design, vous trouverez un symbole familier. Pouvez-vous le reconnaître ? Toi le premier. J'ai menti, c'est toi que je tuerai en premier. Oui. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah, je crois que j'ai tué son pote déjà. J'aurais dû sucer le sang. Et oui, il y a un Ouroboros sur le sol. Et c'est dingue parce que je regardais. This door had been equipped with a singular lock, requiring an unusual key. Somehow, I would find it.
Je regardais une analyse de Inscription, le jeu de cartes indépendant assez récent. Ah, c'est vrai qu'en parlant de cartes, j'ai pas de cartes. Et tiens, il y a un truc que je note là, combat XP. Il y a un truc d'expérience de combat. On verra ce que ça fait plus tard. L'emblème. Balance emblem. Oui, justement, l'Ouroboros dans l'inscription, c'est complètement pété. Et ça me fait trop rire parce que c'est une vidéo d'analyse de lore. Mais le gars, c'est des vidéos. Le gars, il fait des vidéos 3D. D'ailleurs, il est super bon. C'est un YouTuber assez petit. Il a 50 000 abonnés. Et il fait des vidéos d'analyse de jeux vidéo. Et il a un style vraiment très très cool que j'aime beaucoup. Et dans cette vidéo sur inscription, justement. Pendant 3 heures, quasiment toutes les 5 minutes, tu entends Ouroboros, Ouroboros, Ouroboros. Ça me faisait trop triper. Bref, assez d'ego trip comme ça. Mais oui, effectivement, l'Ouroboros est un symbole qui se retrouve dans beaucoup de jeux que je joue. Et je vous assure que c'est vraiment pas intentionnel. C'est vraiment pas intentionnel. Il s'avère juste que la plupart des jeux que j'adore ont un Ouroboros dedans. Autant on trouve l'Ouroboros partout, mais jamais de Diatol. Ah, c'est parce que c'est un symbole avec beaucoup de connotations négatives. En fait, le Yotol, c'est un peu la swastika de... Non, j'ai rien dit. Wesh. T'es un nazi, putain. Calme. Attendez, je vérifie juste un truc. Je suis pas un symbole hindou. True, true. C'est vrai qu'il y a une distinction entre la swastika et la croix gammée. La swastika, c'est le symbole, justement... D'ailleurs, il est pas que hindou, parce que... Je regardais, enfin j'écoutais un podcast qui parlait de le symbolisme de la Seconde Guerre mondiale, autant du côté allié que voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de propagande des deux côtés, on va pas se mentir. Hein. D'ailleurs, vous n'êtes pas immunisé à la propagande, déjà d'une, et de deux, c'est pas parce que vous êtes d'accord avec le message que ce n'est pas de la propagande. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bref. Et oui, effectivement, il y a une distinction entre la swastika et la croix gammée. Et un truc intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que les hindous qui ont inventé ce symbole. C'est un symbole qu'on peut retrouver, qui a été retrouvé dans des caves qui étaient habitées par des humains il y a des milliers d'années, bien avant les premières traces de civilisation, enfin tout ce que tu veux. Et c'est un symbole, en fait, dès que l'humain a été en mesure de dessiner, eh ben, il a dessiné des swastikas. C'est pour plusieurs raisons, et je sais plus exactement ce que c'est, mais a priori, l'origine probable de la swastika, je veux pas dire de bêtises, mais c'était dans quoi déjà? Je me souviens plus... C'était un pattern que des humains auraient observé, je crois, dans le bois. Genre en coupant du bois, il y avait des trucs... Non, c'est peut-être pas ça. Je sais plus ce que c'est exactement, mais... Il y a cette notion qu'en fait, c'est un pattern que les humains pouvaient voir dans la nature et qu'ils se sont mis à reproduire dès qu'ils pouvaient dessiner, dès qu'ils se sont mis à utiliser de la symbolique. Quatre danseuses avec les cheveux au vent. Maybe. Oups. Ah, vous êtes déjà morte. Ok. Si vous relâchez le souk,
ça fait mourir directement la personne. Donc ouais, ça peut être une stratégie aussi si en plein combat vous n'avez pas besoin spécialement de sang, vous pouvez juste souk un petit peu, ça va tuer le mob instantanément. J'essaie de me souvenir ce que c'était ces proto-humains, on va dire, avaient observé dans la nature. Parce que c'était vraiment une... Je crois que c'était dans une corne. Je crois que c'est quand ils coupaient la corne d'un animal, je sais plus lequel. Dans les cornes, peut-être de mammouth. Apparemment, il y a... Un patron qui est visible à l'intérieur de la Cadaverus Laceration. Donc la moitié du jeu a été traduit, c'est un peu bizarre. Donc on a gagné de l'XP de combat maximum, on a une nouvelle attaque. Cadaverus Laceration. Executing a quick flurry of sweeping strikes, I am easily able to overwhelm multiple lesser opponents as their blood sprays across the air. Je sais pas exactement comment le provoquer, ce machin. J'aime bien comme l'archer a tué son pote, c'est génial. Je suis pas sûr de savoir comment provoquer cette attaque. Ah bah voilà. Donc je crois qu'il faut faire un combo avancé et appuyer sur la touche attaque en même temps. Je regarde, les plus vieilles dates d'il y a plus de 12 000 ans dans l'actuelle Ukraine. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est des milliers d'années avant les premiers vestiges de civilisation qu'on connaît. Donc c'est un symbole qui est même pas simplement hindou, c'est un truc qui était ancré dans la culture humaine depuis que les humains ont une culture, quoi. Et c'est fascinant, c'est un sujet fascinant. Et c'est juste super dommage que ce symbole ait été sali. Mais bon, il y en a d'autres, des symboles, comme l'Ouroboros par exemple. L'Ouroboros aussi, l'Ouroboros c'est un symbole qui est millénaire. Possiblement parce que les humains, bah déjà, un truc qui est assez ancré dans la psychologie humaine, c'est que les serpents ça fait peur. Bon, moi j'ai pas peur des serpents, hein, mais... L'idée, c'est que les humains, pendant très très longtemps, ils devaient constamment garder l'œil ouvert pour des traces éventuelles de serpents, parce que bah, c'était super dangereux, quoi. Et il y a une espèce de peur primale du serpent. Et donc, c'est pareil, les proto-humains observaient des serpents dans la nature, et parfois, bah, ils tombaient sur des serpents entrelacés. C'est là aussi qu'on a le symbole, je sais plus c'est quoi, le symbole des serpents entrelacés. C'était des serpents qui étaient en pleine reproduction, et des serpents aussi, ça peut arriver que les serpents se mordent la queue et se la bouffent, c'est un truc qui peut arriver. Et ben l'Ouroboros, pareil, l'Ouroboros c'est un symbole qui est millénaire, qui est vraiment millénaire, quoi. Et j'aime beaucoup ce symbole. La porte est ouverte. J'aime bien la trouver en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie et même en Amérique précolombienne, donc même isolé on le retrouve, ouais. J'aime bien la signification de l'Ouroboros chez les Vikings, symbole de l'éternel renouveau et le jour où il arrêtera de se bouffer lui-même, ce serpent dévorera le monde. Jormungar, ça c'est Jormungar. Je le prononce peut-être pas très bien. Jormun. Mais oui, l'Ouroboros est un symbole très très riche. Et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ce symbole parce qu'il a autant de connotations positives que négatives.
tu peux avoir la notion d'un cercle éternel comme un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Il y a le côté cyclique des choses qui peut être un peu de mauvais augure. Tu vois, la notion que, par exemple, les cycles de violence ne s'arrêteront jamais, les cycles de violence sont éternels. Mais à côté, bah, y a la notion d'éternel. Jormungandr, c'est quand même ton ex-patron, c'est vrai. c'est vrai. Enfin, c'était pas le mien, c'était celui de Renouveau. Renault. C'est Renault. Moi, je suis juste Ouro. Rien ici. Désolé pour la caméra un peu épileptique. Une porte fermée de ce côté-là. Un piège par ici. Je sais pas si le jeu va cacher des trucs dans les tonneaux et des trucs comme ça, mais bon. C'est toujours cool d'avoir du décor destructible dans les jeux. C'est toujours agréable. Je crois que c'est des points de sauvegarde. Je crois que c'est des checkpoints ça là par terre. J'aime bien car en norrois, Jormungand signifie juste gros monstre. Ici, nouvelle mécanique, le high jump. Il y a pas moyen de viser, donc c'est pas vraiment un high jump tant que c'est une mécanique de PK fire. Non 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 non. Tu pouvais attraper le rebord sinon, Kane. C'était une option, tu sais. Mais sérieusement ? Kane a une faiblesse que n'a pas Raziel. Bah, Raziel, il l'avait au début, cette faiblesse, puis il a bouffé son frère Rahab, et du coup, maintenant, il l'a plus. Donc, je pense que Kane, franchement, il aurait pu, genre, je sais pas, choper son fils et le bouffer. Mais bon, je suppose que Kane ne bouffe pas les âmes, donc c'était pas vraiment une option. Hop. Un petit talisman. Ça fait le troisième... non, c'est que le deuxième morceau. Je vous garantirai pas que je trouverai tous les secrets. Et de toute façon, je pense vraiment que le jeu est largement finissable sans sans max PV, sans... Voilà. Kane est censé avoir les mêmes pouvoirs que ses fils, d'ailleurs, pour ça qu'il a banni Raziel dans 1, car il avait plus de pouvoir avant lui. Ouais, mais peut-être... Alors, Rahab, je pense que sa résistance à l'eau, il l'a développée bien après que tout se soit cassé la gueule dans le monde de d'Azeroth. Non. The stage is set. You needn't linger in the shadows, Kane. It has been a long time, hasn't it? No banter, Mobius. You know why I'm here. Yes. Raziel, you sought to introduce your own pawn into this game, and now he's been swept from the board. By your hand, I suspect. Where is he? Perhaps you should ask, when? How humiliating it must be for you to come begging at my doorstep for answers. Enough wordplay. Don't threaten me. You see, I have the upper hand. How remarkable that the great Kane should succumb to the scepter's power like any common vampire. Still so arrogant after all these years, thinking you've devised some brilliant plan. You know nothing. Jon Snow. You have read the signs, but missed their meaning.
You believe you are that myth of vampire prophecy, the scion of balance, and that Raziel holds the key to fulfilling your destiny. But your messianic delusions have blinded you to Raziel's true nature. You have no idea what you've unleashed. There was a time when you might have heeded wise counsel when it was offered. Now, your vanity has made you witless. You will have to learn the truth for yourself. You'll be needing this. Your strength will return after I have departed. But by then, you will have more urgent concerns than pursuing me. Perhaps, when we next meet, you will have learned a little humility. These strange creatures seem to manifest from the very shadows. Mobius's attempt at stopping me was not one of his better efforts. When I found him, it would be my turn to offer a few surprises. The Underworld. Et on retrouve le Best Boy. Best Boy, oh. Surrender, Raziel. Abandon this petty rebellion. It was I who made you. Your life had played out. And in my grace, I spared you. You are my Reaper of Souls. You have no other purpose, no higher destiny. Just this. Accept your calling, Raziel. Let go of these vain hopes. Relinquish your will and feed. No. What do you profit from this defiance? There's some grim satisfaction in infuriating you. My patience is eternal, Raziel. How many eons can you bear to languish here? The wheel of fate must turn. All are redeemed in the cleansing agony of birth, death, and rebirth. This is the engine of life. The purifying rhythm of the universe to which all souls are irresistibly drawn. Yours is a necessary and noble function, Raziel. Enough of your sermonizing. Are you trying to bore me into submission? Why must this game go on? We both know what you are. You're no better than the vampires you so despise. A voracious parasite. Cloaking its appetite in a shroud of righteousness. I refuse to do your will. I can see into your heart, Raziel. It is not your will, but cowardice that keeps you here. How so? You know what fate awaits you when you leave the underworld. That phantom weapon you bear is a constant reminder, isn't it? The sword is waiting for you out there somewhere, and you tarry so as not to meet it. I could not deny it. As long as I lingered here, defying my captor, I was able to postpone what I feared was my inevitable doom. To become the ravenous spirit imprisoned in the Reaver Blade. But that sentence was no worse than the stalemate I now endured. Better to face one's destiny than cower from it. Harvester of souls, I created you. And to this function, my angel of death, you will return. Enough. Yes, I submit. Very good. Indulge your hunger.
Yes, embrace your calling, Raziel. You will find that just as defiance has its price, so obedience has its rewards. And submission is not always what it seems. Bang! Bang! Ah ouais. Raziel, qui se joue majoritairement comme Kane, mais avec quelques petits détails. Déjà, il me paraît plus rapide que Kane, mais c'est peut-être juste une illusion. Et lui, il peut du coup planer, là où Kane peut simplement tomber doucement. Maigre différence, mais une différence néanmoins. Oups. Arrêtez de me murmurer dans l'oreille. J'entends des voix. Elles me disent de tuer. Reaper of Souls? L'extension de Diablo 3? Non. Non, c'est beaucoup moins médiocre. Below me swirled an ominous looking mist. I knew that if I fell, it would mean my peril. Mais t'es déjà mort, Raziel. Ne raconte pas n'importe quoi. Je sais pas si on a des high jumps dans ce jeu. Ah, je me trouve à chaque fois de bouton. Je sais pas si on a des high jumps dans ce jeu. Mais de toute façon, le... Mais si, il y a de l'espoir. Mais si, t'inquiète. Hop, grimpe ici. Do you believe your worthiness is so easily proved? Your way is sealed until you have offered further evidence of your obedience. I must feed you before I depart this place. You must feed yourself, Raziel. The wheel must turn. Ah, now you understand. J'étais sarcastique, pauvre con. Encore plus ? Putain, t'es vorace, parce que moi ma barre elle est pleine, gros. Là c'est toi, tu indulges l'ancien là. C'est ta propre gourmandise que tu fais passer pour une vertu. You may go, but remember, you are mine. You mine, can no more mine. Escape from me than you can escape yourself. Mine. Oups. Ouais, va falloir que je fasse gaffe parce que les perspectives... Remember, you will be watching. Je crois que dans la sphère spectrale, on ne peut pas attraper les murs d'escalade. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas envie d'essayer parce que si c'est pour me retaper cette séquence, qui est certes pas très longue ni compliquée, mais... Là j'ai pas envie de briser le rythme. Oh mais ça va, c'est pas si terrible que ça, hein. Ok, ça craint, c'est moche, et tout ce que vous voulez, mais... À un moment, faut arrêter de pleurnicher, quoi. Et arrêtez de prononcer mon nom, je vous ai rien fait. Oups. Non. You want this room cleared of its vermin? If you wish to leave it.
done. My good servant. Yo. Ayo. Donc, à l'instar de Kane, on peut faire des combos aériens. Par contre, je sais pas si on peut encore faire des exécutions à base de river. J'essaye 2-3 trucs, mais bon, apparemment, Raziel n'a pas le pouvoir de d'attraper les ennemis. Il peut juste les repousser. Et du coup, j'imagine que quand on sera dans la sphère matérielle, on pourra faire des exécutions avec la river pour remplir la barre d'attaque. C'est ma supposition en tout cas. Where do you think you're going, little soul? You can't escape. Et ici, nous avons un combat contre la montre. Et effectivement, dans la sphère spectrale, on peut s'accrocher au mur. Ce qui n'était pas le cas dans les jeux précédents. Clever, Azir. Clever indeed. I've endured your game long enough. Escape had not been anticipated. My benevolent master would not have expended such efforts to prevent me from going. And if my departure displeased him, then that was a victory, however small, for me. J'allais faire la remarque comme quoi normalement les choses dans le monde spectral ne peuvent pas changer, mais je me rappelle également. In the spectral realm, water is as thin as air. Putting this opening far beyond my reach, but once I found my way into the physical world, I might be able to swim up there. Mais je me suis souvenu que l'ancien est présent simultanément dans les deux sphères, donc quand il agit dans le monde physique, il agit sur le monde spectral par extension. Même si normalement le monde spectral est censé être une version beaucoup plus difforme du monde physique. Normalement, il y a beaucoup plus de différence entre le physique et le spectral. Mais ça, je pense, c'est une mécanique qui reviendra surtout plus tard. Là, c'est pour les besoins du scénario, voilà. Le scénarium. This door would only open when fitted with an appropriate artifact. But to use such an object, I would first have to find a way back into the material realm. Ticketé.
Bruh. Bruh, 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 bruh. Bruh, 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 bruh. Oops. Vise Raziel. Bah. D'ailleurs, une fois qu'on commence à charger la télékinésie, on ne peut plus la décharger. Et là, il y a une espèce de mur invisible qui m'empêche de télékinésie. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. At last, I discovered a conduit to the material realm. I would finally escape the spirit world and take one step farther from my tormentor. Did you think to receive the same favors after your rebellion as before? No, Raziel. I have no need for you to enter the physical world, so no conduit will be granted. You serve me adequately as a wraith, and a wraith you will remain. So, my restraints had not been removed, only loosened. I would not be held prisoner in the spectral realm. There had to be another way. Ouais, Raziel, il me visait moi parce que il a l'œil méta maintenant, il peut voir en dehors du jeu. Raziel a désormais conscience qu'il est dans conscience qu'il est dans un jeu. Donc voilà, Raziel, toujours limité par les mêmes restrictions de la sphère spectrale pour traverser les grilles. Et c'est pas aussi fluide qu'avec Cain. Eh mais attends, je les connais ces monstres. Ils étaient dans Subnautica. J'ai été granté une vision de ce que je serais devenu si je n'avais pas escapé le spectral realm. Pour ces deux étaient agents de mon maître. Hunting the lost souls that struggle to escape the endless twilight of the underworld. Pourquoi il y a plus le for me was ominously clear. Like these mindless hunters, I existed only to fuel him with souls, siphoning their energy to feed him and his wheel of fate. I had to break these bonds, while I still possessed my own will. Ah, bah on est de retour avec Cain. Bah écoutez, je pense que ça va être un bon point d'arrêt. J'allais dire, mais on est retour combat. Donc là, vous pouvez voir l'attaque que j'ai débloquée tout à l'heure. Donc oui, effectivement, il suffit de bouger le joystick, j'imagine, en direction de l'ennemi, en même temps que vous appuyez sur attaque, et ça fait des chocs à pic. Merveilleux. Donc ouais, il me semble que Raziel est un poil plus rapide que Cain, niveau vitesse. Donc les deux... Les deux personnages sont très similaires, mais néanmoins ils ont quelques différences. Je trouve que c'est bien. Je trouve ça vraiment bon. Ça permet d'avoir un peu de variété de gameplay entre les deux. Et c'est comme ça, ça va être la sauce défiance jusqu'à la fin du jeu. On va alterner chapitre avec Raziel, chapitre avec Cain. Et on suivra l'histoire avancée progressivement. Hop, je vais effacer. Voilà. Hop.
l'histoire progressera doucement entre ces deux personnages. Voilà. Donc je pense que là pour l'instant c'est pas trop mal pour un début. Faut que j'aille voir un peu pour diviser le stream, couper le stream en deux. Et voilà. Donc je vais vous laisser là. Vu que je vais être sûr que ça va bien sauvegarder, parce que maintenant il va falloir que je fasse des sauvegardes manuelles. Alors certes il y a la sauvegarde rapide, mais enfin la sauvegarde automatique, les checkpoints, mais voilà, bref. Et vu que le jeu bug à chaque fois que je fais un alt tab. Voilà. Oups, la lumière. Désolé pour le soleil, le mini soleil dans vos yeux. Mais voilà, écoutez, ça sera tout pour le moment. Il bug tel un jeu des années 2000. Ouais. C'est tout pour le moment. Il est 18h30, la vache. Donc, voilà. Donc, la suite de Soul River 3, Legacy of Kain, Défiance. Je vais pas appeler ça Soul River 3 parce que techniquement, c'est Défiance, mais voilà. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Laissez un pouce bleu. Abonnez-vous. Suivez-moi sur Twitter, tout ça. Et on se retrouve bientôt pour la suite de Soul River Défiance, Legacy of Kain Défiance, Soul River 3, blablabla.